Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. On commence cette série avec l'Empire austro-hongrois. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, l'Autriche-Hongrie regroupe de nombreuses entités politiques différentes. On peut citer par exemple les royaumes et pays représentés à la tête d'empire, incluant notamment l'archiduché d'Autriche, les royaumes de Bohême et de Galicie. On peut aussi citer les pays de la couronne de Saint-Étienne, incluant les royaumes de Hongrie et de Croatie-Slavonie. Oh, et puis en 1908, l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine. Autant te dire que l'organisation n'était pas facile. Déjà que la gestion politique était compliquée, l'Empire était incroyablement multiethnique, et toutes ces ethnies n'étaient tenues que par le souverain. Au début de la guerre, et depuis quelques années déjà, l'Autriche-Hongrie connaît de graves difficultés internes, avec la montée de mouvements nationalistes des Slaves du Sud. Cette tension amenant notamment le 28 juin 1914 au célèbre assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo par le nationaliste serbe Gavrilo Princip. Événement qui amènera l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie, ce qui, par le jeu des alliances, enclenchera la Première Guerre mondiale. En Autriche-Hongrie, c'est la presse qui est le principal outil de communication de masse. Et dès le début de la guerre, la direction des Habsbourg s'accorde sur la manière de gérer cette presse. La priorité est mise sur la censure plutôt que sur la propagande. Cette censure est intrusive. Par là, il faut comprendre que l'on cherche à supprimer tous les éléments subversifs. Autrement dit, l'objectif est de favoriser une vision optimiste de la guerre, tout en minimisant les voix discordantes. Par exemple, on cherche à manipuler les informations provenant des champs de bataille, en insistant sur le fait que les informations militaires de la ligne de front soient soigneusement triées afin de retirer tout ce qui pouvait nuire à l'effort de guerre. Cette fonction a été réalisée par le siège de la presse de guerre impériale et royale, autrement dit le KPQ. D'abord sous le commandement de Maximilien Ritter von Hoehn, puis à partir de mars 1917 sous Wilhelm Eisner Bubna, le KPQ se développera progressivement en une énorme organisation de presse et de propagande. Elle met tout en œuvre pour souligner la détermination austro-hongroise face à la barbarie ennemie, en décrivant par exemple une solide armée de soldats austro-hongrois survivant dans un paysage magnifique, ou encore le sacrifice volontaire des soldats contre les perfides italiens. À cette période, l'art de l'affiche est déjà très en vogue en Autriche. Ces affiches sont marquées par l'influence des affichistes viennois, et la tradition des affiches d'art, de spectacles, de théâtre ou d'expositions. Faisons d'ailleurs penser aux différentes affiches utilisées lors des expositions universelles. Il est difficile pour ces affiches de trouver une véritable identité austro-hongroise, tellement la disparité est importante. Une disparité qui se reflète d'ailleurs à travers son armée, divisée entre serbes, croates, roumains, germanophones, bref. Du coup, la cohésion au combat n'est pas évidente. On note même que dans certains régiments, les officiers supérieurs ont besoin de traducteurs pour se faire comprendre. Bref, on s'éloigne du sujet, revenons aux affiches. À travers les affiches autrichiennes, on retrouve tous les éléments guerriers présents dans celles utilisées par les autres puissances. Mais ici, le symbolisme l'emporte très souvent sur le réalisme. Presque toutes les affiches paraissent évoquer des pièces de théâtre. Elles nous parlent de légendes, de mythes. On utilise très largement les images de l'héroïsme et de la chevalerie. Elles mettent en scène un imaginaire d'une époque révolue mais de facture moderne. On est dans une production artistique complètement fantasmatique, souvent superbe, mais qui n'a rien à voir avec une réalité. D'ailleurs, ces affiches ne nous apprennent pas grand-chose sur la société autrichienne. Malgré les efforts clairs pour propager un message unificateur à travers la monarchie, la plupart des 150 artistes de guerre officiels sont identifiés comme germano-autrichiens. Une division dangereuse apparaît alors entre la manière de décrire et de propager la guerre impériale, avec ses connotations allemandes, et les perceptions culturelles régionales. Plus particulièrement, il y a une rupture entre la proclamation de l'unité, à laquelle la Hongrie refuse de participer, et la réalité d'un mécontentement croissant. Pour de nombreux civils, c'est le cinéma qui est rapidement devenu la forme la plus excitante de divertissement en temps de guerre. En tant que média naissant, les images en mouvement avaient un énorme potentiel pour façonner l'opinion publique sur le front intérieur. La guerre a vu une expansion des studios de cinéma. Certains réalisateurs ont cherché à produire des films autrichiens qui étaient de subtils véhicules de propagande, comme le rêve d'un réserviste autrichien. Tandis qu'en Hongrie, on voit là une possibilité de mêler la culture magyare populaire à la lutte commune. Ainsi, par exemple, Alexander Korda réalise en 1918 L'Homme d'Or, sur l'occupation turque de la Hongrie.
Dès le mois d'août 1915, les autorités estiment qu'une centralisation poussée est nécessaire pour la propagande des films de guerre. Et c'est alors Sacha Film qui obtient le contrôle majeur, en produisant notamment ses propres résumés hebdomadaires de nouvelles militaires. Étant donné que les cinémas ne pouvaient jamais montrer les réalités brutes de la ligne de front, les films Sacha ont fourni une image aseptisée. Ils ont montré par exemple la vie quotidienne des héros sur le front alpin. Tandis qu'à la maison, l'image était celle d'une machine patriotique efficace, fonctionnant systématiquement en tandem. Au cours du conflit, 8 campagnes publiques d'obligation de guerre ont eu lieu, soutenues par des affiches colorées, quelques films amusants au cinéma, mais aussi par des concerts de charité produits par de célèbres orchestres. Les programmes de ces événements comprenaient l'hymne national, des chansons populaires et de brillantes pièces d'orchestre telles que Tannhäuser et l'ouverture d'Egmont. Les personnalités publiques donnent l'exemple, comme l'archiduc Frédéric de Teschen en tant que commandant en chef, qui a personnellement souscrit au premier prêt de guerre avec 4 millions de couronnes. En 1914, les autorités étaient ravies que tant de personnes se mobilisent, notamment en soutenant des associations caritatives locales. Mais progressivement, on s'aperçoit d'un état d'esprit inquiet des individus fidèles aux Habsbourg. On se tourne alors de plus en plus vers la défense de propagande ennemie. Et oui, on se rend compte de la nécessité d'agir contre les nouvelles menaces qui pèsent sur le moral et la stabilité impériale. Ces menaces viennent d'une part de l'intérieur, sous la forme de mouvements nationalistes et sociaux. Malgré la grande diversification de la propagande austro-hongroise, l'énorme bureaucratie s'est probablement trop concentrée sur les mécanismes de distribution de l'information, et non pas assez sur la culture de son public. En fait, l'appareil de propagande austro-hongrois perdait rapidement le contrôle des événements, et trouvait son autorité contestée à travers l'Empire. Vers la fin de la guerre, beaucoup de gens étaient fatigués du conflit et peu sûrs de leur avenir. Par exemple, un grand nombre d'agriculteurs sont devenus soldats. La production agricole s'est alors effondrée et la situation alimentaire s'est rapidement aggravée. Du coup, pendant la guerre, les troubles civils sur la situation alimentaire étaient monnaie courante. Pour aggraver les problèmes, de nouveaux mouvements nationalistes et sociaux sont montés en puissance et ont mis en place leur propre propagande, rivalisant avec celle de l'Empire. Le lien créé par la famille des Habsbourg entre ces peuples est artificiel, et surmonte difficilement les disparités géographiques et politiques. Face à l'insécurité de masse et à la défaite militaire, la monarchie des Habsbourg elle-même perdait sa légitimité aux yeux de nombreux citoyens. Et à partir d'octobre 1918, les nationalités composant une partie de l'Empire, à savoir les Tchèques, Slovènes, Croates et Hongrois, proclament leur indépendance. Après les traités de paix, l'Autriche se retrouve réduite à sa partie germanique et devient une république. Voilà ce qui nous amène à la fin de ce premier épisode. J'espère que cette vidéo a permis de faire comprendre les objectifs de la propagande austro-hongroise, mais aussi ses choix en termes de support et de stratégie. N'oublie pas que tu peux soutenir la série tout simplement en laissant un pouce bleu et en partageant les vidéos. Et en attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires.